Vous êtes de quelle origine, vous? Je suis d'origine sénégalaise. D'accord. Vous avez une identité nationale au Sénégal? Non. Vous avez une culture? Vous avez des règles, des lois? Bien vivre ensemble? Non, le Sénégal, c'est un pays de la teranga. On accueille tout le monde. Il n'y a pas de... celui-là. Vous accueillez tout le monde? Oui. Mais et nous, vous nous... avez une nationalité sénégalaise, donc un pays, un état. Oui, mais nous, on ne peut pas accueillir tout le monde. Dans des squats. Nous avons été colonisés par la France. Nous avons combattu pour la France. Oui. Nos grands-parents ont combattu pour la France. Oui. C'est normal qu'on vienne en France. C'est normal que vous veniez en France, mais pas à n'importe quelle condition. Le Sénégal, c'est votre pays. Bien sûr que c'est. Ah ben alors. Vous avez voulu l'indépendance, qui est normal. Bien sûr. Vous êtes indépendant maintenant. Vous êtes indépendant. On est indépendant, mais bon, pour tout ce qu'on a fait pour la France, il est normal qu'on... Mais non, on ne peut pas accueillir tous les Sénégalais. Attendez, moi je suis né dans les banlieues. Oui, non, mais... Hein, je suis né. J'ai vécu jusqu'à 23 ans. Si je suis né à Sarcelles avant de venir dans le 20e, moi je suis né au 12e. Donc les banlieues, voilà, je connais. Mais j'ai vu aussi les problèmes d'immigration dans les banlieues. Oui, d'accord. Alors, on ne peut pas dire le contraire. Dites-moi, c'est la conséquence de quoi ce qui s'est passé dans les banlieues? Mais parce qu'on les a tous mis dans les mêmes endroits, on les a ghettoisés. Et il y en a beaucoup qui sont arrivés en situation irrégulière, qui sont arrivés qui n'avaient pas de boulot. Et là, des logements à vivre à 15 ans, les logements, des polygames et tout. Bien quand sûr. Il a dit dans des quartiers pourris, où il y a des trafics de drogue, où les gens n'ont ras le bol de vivre, il dit qu'il va nettoyer la cité au Karcher pour la rendre propre. Oui. Et on sait très bien ce que ça veut dire le mot Karcher. Vous vouliez qu'ils disent quoi? Je vais prendre la pelle et la balayette et puis je vais nettoyer un petit peu? Non. Il y a des situations où il faut des mesures radicales.